Hello, bienvenue sur la chaîne Joanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action. Donc des nouveautés, les dyes, enfin je les ai trouvées. Donc trop contente. Donc je vais commencer par ce qui est nouveau. Et ça c'était du 30 mai 2020. Donc j'aimais bien celui-là là-haut là, avec la lune. Celui-ci là avec les fleurs. Je pense qu'il est nouveau. J'ai trouvé joli. Voilà. 2,99€ ça coûtait. Je vous les fais voir mieux. Voilà. On les voit un peu. C'est mes skin tape. Il faut que je change ça. Je sais pas où. Désolée. J'ai pris. Je sais pas ce que je viens de faire du ticket. J'avais le ticket, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai dû peut-être le mettre en dessous de ça. Bon, bref. J'avais le ticket, mais j'ai perdu le ticket. Mais entre temps, mon cœur balance. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était 64 centimes, il me semble. Donc, c'est du 240 et du 120 grammes. Les cartes, c'est du 240 et c'est du 120 grammes. Et il y a toutes ces couleurs-là. Voilà, alors les dorés, verts. Bleu, voilà. Métallique, quoi. Voilà. Et c'est du 16-16. Oui, 15-15 et 16-16. L'enveloppe. Voilà. 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 Oh, putain, c'est pas possible. Ensuite, j'ai repris ceci. Donc, je sais pas si je les avais, cette couleur-là. Et ça, je me rappelle plus combien c'était. Voilà. Ensuite, ceci. Tuiles brodées, je ne me rappelle plus combien c'était. Il y a 8 mètres. Et ils appellent ça fil à broder 100% polyester, 8 couleurs, x 8 mètres. Voilà. Dans les tons violets. Pourquoi j'ai pris ça? Maman, on verra. Ensuite, je vais vous faire voir les dyes à la fin. C'est pour ça que j'ai pris une boîte comme ça. Pour ranger mes twin markers, je crois. Celle-là ou l'autre, je sais pas encore. Bah mes twin markers, mes feutres à alcool Spectrum que j'ai trouvé à Nose. Voilà. Voilà. Ça. Et j'ai pris aussi. Après je vous fais voir les dyes. C'est pour ça que je fais ça avant. Une boîte comme ça, une embellition box. Je pense que ce serait pour faire ça ou pour ranger des choses, je sais pas. Je vais voir ça après. Les lingettes que j'adore à. Je suis désolée, je suis pas trop habillée, trop, pas trop maquillée, pas trop tout ça. Je les adore celles-là. Les lingettes humides pour la maison, il faut bien les refermer. Mais elles sont aussi trop, je les adore. Voilà, de la marque Spargo chez Action. Ça c'est 99 centimes il me semble au moins. Et une boîte comme ça, je ne me rappelle plus du prix par contre. Donc voilà, avec le couvercle bien sûr, et on peut la refermer. Et voilà. Donc ça, ça va être mes boîtes que je vais me servir pour mettre mes encres. Que je vais vous faire voir dans un prochain haul. Et j'ai trouvé ceci. Donc de Frozen 2, il y a plus ou moins de 50 stickers et j'ai trouvé mignon. Reine des neiges, je sais, je suis faible. Ah oui, il y a deux feuilles. Je n'ai même pas vu qu'il y avait deux côtés. Voilà. Et la Reine des neiges 2 et j'adore. Donc trop contente. Bah il est là le ticket. Je vais vous dire les prix du coup. Les pochoirs. Oui, c'est bien 99 centimes l'embellition box là pour utiliser. 49 centimes là les stickers que je viens de vous les faire voir. 64 centimes, j'avais bien raison. 79 centimes le fil à broder. Et maintenant je vais vous faire voir les dyes. Donc j'ai pris les petits dyes. Donc ce dye-ci.
hamburgers comme ça. Qui donne ce résultat-ci. Voilà, on voit bien là. Voilà, très joli. Donc ça, c'est pour celui-là. Il faut lui faire voir, du coup, c'est bon. J'ai fait voir. Je le range après. Ensuite, celui-ci. C'est à 99 centimes, celui-là, chez Action. Voilà, et il nous donne ce résultat-là. Moi, je pense qu'il a, il n'a pas tout découpé. Si, je l'ai découpé, c'est bon. Voilà, c'est que ça embosse, je pense. Voilà, il nous donne ce petit résultat-là. Donc, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Si c'est un oiseau ou un... Je pense que ça c'est une chose, hein. C'est pas un feuillage. Voilà, je vous le refais voir. Voilà, très bien comme ça. Donc, j'ai fait dans plusieurs papiers. Ça, c'est le bloc avec le craft, le bloc, non, les feuilles noires et blanches. Et du coup, j'ai pris les feuilles blanches un peu solides. Du coup, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut que j'enlève en bas. La trompette! Oui, ou le saxo, je sais plus trop. Bon, l'instrument de musique, quoi, avec les notes. Donc ça, c'était 99 centimes aussi. Et elle nous donne ceci. Elle est très jolie comme découpe. Avec les notes de musique et tout. J'ai bien aimé. Voilà. Le mobile. Donc j'en ai fait 3 parce que je vais faire beaucoup de cartes de naissance. Et ça, c'était 99 centimes. Et je trouve que le mobile, il est trop beau. Voilà. Et vu que j'ai des cartes de naissance à faire, bah, je vous fais voir ceux-là que j'ai fait du coup. Je ne peux pas vous faire voir les 3, mais je vous en fais voir 2. Donc j'en ai fait un blanc dans du papier aquarelle, donc peut-être que j'aquarellerai celui-là. Et j'en ai fait un rose et j'en ai fait un autre rose. Voilà, je le trouve bien. Et ça, j'ai fait dans du cardstock de chez Action. Voilà. Donc le mobile, c'est fait. La grosse fleur comme ça. Alors elle n'est pas facile pour moi à finir. Où c'est que je l'ai mis? Elle est là. Je ne l'ai pas finie encore. Vous voyez, j'ai dû en arracher quelques-unes et j'ai dû en oublier quelques-unes comme d'habitude. Mais elle n'a pas tout découpé comme je voulais. Là je peux encore en enlever. Ouais. Bah oui, ouais, j'ai un petit peu en enlever. C'est ce que là j'ai fait dans du papier très fin. Donc peut-être que c'est ça aussi. Hein, je ne sais pas. Hop, 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 hop. Bon. Après le reste, je peux pas trop l'enlever. Non, il faudrait que je découpe mieux, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc, je vous fais voir à peu près le résultat quand même. Voilà, là, il faut que je continue à découper. Donc, elle donne ça. C'était celle-là. Les 3 fleurs. Voilà, elle donne ça. Voilà, elle est quand même jolie, mais bon, il faut que je la retravaille. À retravailler celle-là. Donc, je vais la mettre quand même là-dessus. Donc ça, c'est 2,49 ceux-là. Voilà. Les codes barres. Mais moi, je ne peux pas commander les actions. Donc voilà. Très bien. Ensuite, les murs. Alors ça, j'adore pour faire des fonds. Je le trouvais trop beau. J'ai pris tout. Je les ai pris tous. Je n'ai pas fait une exception. Je les ai pris tous. Donc voilà. Le mur. Et l'autre petit mur en briques. Comme ça, c'est trop mignon ce qu'on voit. Voilà, là on le voit. Donc ça, ça a bien marché. Donc je vous refais voir la découpe. Voilà, ça, ça a bien marché. Ça a été. Ensuite, le pan avec le beautiful, le mot beautiful. Alors lui, c'est mon coup de cœur. Il a été dur pourtant à faire. Je crois que je l'ai fait dans du papier fin, je crois, ou papier épais, je sais plus. Voilà. Il a été un peu dur parce que bah, je sais pas, des fois ça ne veut pas couper comme je veux. Mais il est magnifique. Magnifique. Et le mot beautiful, il fait comme ça. Donc là, il est bien accroché, il est bien. Donc ça, c'est bon le pan. Je vous refais voir quand même la découpe. Voilà. Le dies. Alors, ceux-là, j'ai galéré. Est-ce que c'est moi dans ma machine à découpe? Je sais pas. Mais j'ai galéré. Donc. Celui-ci, encore, ça a été. Vous voyez, ça a été la rose. Mais l'autre rose, qui est... Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai peut-être pas pris. Ah si.
J'ai juste des petites découpes à refaire encore. Et pas mal, mais il faut que je redécoupe. Donc voilà. Donc pour celui-là, 2,49 pareil, caisse. La feuille tropicale, alors elle, pff, rien à dire. Nickel. Elle est trop belle. En plus, c'est effet couture. Je sais pas si on va le voir là. Alors attendez, que j'essaie de vous le faire voir. Hop. Ah, si vous voyez un peu l'effet couture. Elle est magnifique. Donc je vais voir le dies. Elle, j'adore. Le, désolé pour le gros mot, le cheval, la tête de cheval et le mot horse. Alors lui il est pas facile aussi, hein. J'ai oublié de lui faire son œil. Son œil n'a pas embossé, je sais pas. Bon, bref, j'arriverai à le couper, je pense. Et hop, j'arrive, mais bon. Moi je pense que j'arriverai avec un petit ciseau, un petit truc. Donc lui, voilà, il est magnifique aussi. Pourtant je suis pas très très cheval à la base, mais je le trouve beau quand même. Et le mot horse, donc il est en deux fois, donc il faut bien faire attention. Donc horse, voilà là. Et il y a le H devant qui se découpe, qui n'est pas attaché en fait. Vous voyez, ça fait comme ça. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer. Voilà. Yeah, c'est pas attaché. Voilà. Mais ça se découpe, ça va. Donc je vous refais voir le dies. Ensuite, celui-ci. Alors celui-là, j'ai galéré. Un peu, mais bon. Alors. Là, ouais, il me manque juste là, vous voyez. Je vais peut-être apprendre le cutter. Voilà. Juste, ouais, juste deux trucs, quoi. Bien, un truc qui n'a pas été bien fait, quoi. Mais c'est bon, ça va, il est sympa, sinon il est joli, quand même. Et le mot, c'était flower. Par contre, le mot flower, aucun problème. En plus, il est qu'attaché, donc c'est parfait. Ça. Et puis il embosse, ça embosse, hein, il y en a. Je vous le refais voir, celui-ci. Celui-ci, alors celui-là j'adore. Le petit oiseau. Alors je vous fais voir le petit oiseau, il est magnifique. En plus il est un peu embossé. Donc il est magnifique. Voilà, petit oiseau. Je sais pas si on va le voir qu'il est embossé, mais voilà. Et le mot sunshine, il est magnifique. Hello. Magnifique aussi. Et smile. Magnifique. Quentin ! Désolée. Voilà. La sirène, l'encre. Et le petit poisson, alors ça je les adore, c'est mes coups de cœur aussi. Bon, l'encre elle a pas fait ce que je voulais, mais en même temps il faut que je redécoupe moi. Voilà, mais elle est trop belle. Voilà, elle a pas tout découpé là, mais c'est pas grave. Elle est magnifique. Le petit poisson, il est chou. On peut garder l'étoile dans les cheveux de la petite sirène. Je vais vous faire voir la sirène, l'étoile. Donc la sirène là, c'est que j'ai du scotch et du scotch, et du coup ça m'a fait... Ouais, ça m'a fait la sirène avec des cheveux dorés. C'est pas grave. Voilà. On va pas voir trop. Si on va le voir, je vais vous faire voir quand même. Allez, j'ai... Il y a un bout de... Le scotch qui s'est collé dans la tête de la sirène. Voilà, magnifique celui-là. Et la petite étoile. Alors là, je pense que je vais arriver à vous la faire voir. C'est une toute petite étoile. Hein. Voilà, pour ce... D'ici. Alors là, mon coup de cœur. La lune. Donc, elle est magnifique. Elle se découpe super bien. Et en fait, on peut soulever là les fleurs et les mettre un peu en embossé. Voilà. Je vais vous en faire qu'une. Hein. Et vous aurez compris le principe. Il faut juste pas que je m'énerve. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est juste pour vous faire voir qu'on peut soulever un peu la fleur. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut la mettre en relief. Mais elle est magnifique. La lune, franchement magnifique, j'ai adoré. Donc j'ai adoré la lune. Et du coup, le mot moon,
Pareil. Je pense que je vais faire un album avec ça. La lune et le moumoune. Voilà. Parfait. Ensuite, donc ça c'était pour la lune. Oui, j'ai oublié. Ah oui, sinon c'est parce que j'ai accroché le moumoune. Voilà. Pour ça. Les fées. Alors, les fées, j'adore. Les fées avec le mot fée à hôtel et les petites étoiles. Alors, les petites étoiles, je vais essayer de vous les faire voir. Si je les retrouve. Si dans mon bazar, elles n'ont pas bougé. Non, elles sont là. Donc, il y en a deux, trois, mais je sais pas où est la troisième. Toutes petites. Donc, je vous les fais voir. Hein. Elles sont toutes petites. Hein. J'ai fait dans du rose. Elles embossent aussi les étoiles. Donc, mais les fées, regardez-moi cette fée, quoi. En rose comme ça, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Voilà. La petite fée. On dirait qu'elle s'envole. Elles sont magnifiques avec son nuage, franchement. Et le mot fairy tale, donc là, c'est pareil. Il faut faire bien faire gaffe. Il faut le recoller. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est en deux fois. Le F et on colle à Fairy Tale. Voilà. Et oui, les petites étoiles et voilà. Je pense que j'ai rien oublié dedans. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais voir le dies. Et celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Donc alors lui, magnifique. Je l'ai fait dans du rose en plus. Ça change. Voilà. L'esperluette. Ça s'appelle comme ça. Le Dice Coin. Il est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Et l'autre coin. Vraiment magnifique. Quoi. Voilà. Et lui, il découpe super bien. Pas de soucis avec le Dice Coin. Voilà. Je vous refais voir quand même le Dice. Voilà. Et ceux-là que j'avais acheté avant. Et après, je passe juste vite fait au magazine et ce sera bon. Donc, celui-ci, avec les petits cœurs, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, parce qu'il y a des découpes. Bah alors? Est-ce que je les aurais pas enlevés parce que j'ai dit je dois faire que cela d'action? C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Oui, j'ai dû les enlever. Mais où je les ai mis? Mystère et boule de gomme. Eh bien, je sais pas. Bon, en gros, il fait une super découpe. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Avec mon haul. Avec mon haul vintage. Parce que là, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est bizarre, ça. Je pensais que je les avais tous mis là. Mais alors, ça. Les flèches elles sont là. Bon, le cœur je peux vous le faire voir, mais l'autre cœur je sais pas où il est passé. Ouais, je sais pas où il est passé. Bon bah, peut-être qu'il est passé à la trappe. Je sais pas où il est passé. Bon bref, il était magnifique, mais je sais pas où il est passé. Donc je vous fais voir quand même les flèches, enfin si j'arrive à l'attraper. Voilà, une petite flèche. Ça c'est à 99 centimes, c'était la dernière fois que je les avais achetées. Donc voilà, les petites flèches, elles sont trop mignonnes. Oui, je sais pas où il est passé le cœur, j'ai peut-être enlevé, je sais pas. Voilà. Donc ça c'était pour les flèches comme ça, 99 centimes la dernière fois. Le cœur, je sais pas où il est passé, du coup je peux pas vous faire voir. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Bah, peut-être mis ailleurs. Et les petits cœurs comme ça. Alors ça c'est trop beau. Du papier rose comme ça, c'est magnifique. Et du coup, la petite étiquette, elle était par là. Elle est là. Oui, il y a une petite étiquette, donc il faut bien faire attention de ne pas la paumer. Voilà, elle était par là. Voilà, c'est une toute petite étiquette. Hein. Je vais vous faire voir, mais voilà. Toute petite. Donc voilà.
voilà, donc ça très très contente. Je sais pas ce que j'ai fait du cœur. Bon bref. Et voilà. Donc ça c'était la dernière fois. Ensuite, je vous fais voir le magazine et je vous lâche. Donc parce que j'étais à Carrefour et j'ai acheté le dernier Passion Carte Créative. Et dedans il y avait le Passion Scrapbooking numéro 74 qui est le bimestriel du 16 mai au 18 juillet 2018. Donc je vous le feuillet, hein. Voilà, avec des beaux papiers. Franchement, j'ai bien aimé les papiers un peu colorés comme ça. Même si c'est de 2018, voilà. De la marque Asa, je crois que c'était les papiers. Voilà, je vous le feuillet, hein. Voilà, donc ça c'est le catalogue qui était offert dedans. Voilà, pour 8,50€. Et pour 8,50€, il y a le Passion Carte Créative. Et c'était spécial. Moi j'ai bien aimé les papiers. J'avoue, j'ai craqué aussi pour les cartes coil comme ça là. Le ninja là. Je me demande si je l'avais pas. Hein. Je regarde dans mes trucs quand même. Parce qu'on en fait, on en fait voir, mais. Je vous fais voir un peu, je vous le fais, hein, comme ça, voilà, le carte créative. Voilà pour mon haul Action et mon petit haul Carrefour. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé des dies, des découpes. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.